Eh bien salut à tous, c'est Schizofab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Donc, au top commentaire de la dernière vidéo de la présentation de mode, vous m'avez sorti les pompiers, la police et la dire. Donc du coup, bah, j'ai commencé par les pompiers, parce que j'ai trouvé pas mal de modes. Je continuerai par gendarmerie et police, et je terminerai par le service d'entretien, la dire, DDE, tout ce que vous voulez. Donc on va commencer cette présentation de mode tout de suite. Donc comme d'habitude, un petit j'aime, un partage, hein, pour les copains que ça intéresserait, ça serait pas mal. Allez, on attaque par le Defender. Donc tous les liens dans la description bien sûr. Donc le Range Rover Defender, on le connaît depuis un petit moment, on l'avait sur FS15 celui-là, il est pas mal, il est assez sympathique, il se comporte bien. Donc vous l'avez en version sapeur-pompier scène maritime ou en version sans le gros bordel au-dessus quoi. La sirène, pas trop dégueulasse, ça ressemble à du français. C'est pas mal. Gyrophare, pas trop dégueulasse non plus. Stroboscopique, le bruit ça va. On a fait le tour, on continue. Alors on est sur une ambulance allemande. Donc allemande avec plusieurs options donc. Voilà. Un petit coup de deux tons. Donc bien sûr on a aussi la sirène comme ça. Alors je sais pas. Hop. Donc on peut allumer les LED sur le côté. On peut. Attendez, on va éteindre les gyrophares. Je vais vous montrer. Hop, elle. Voilà, 4 pour les tableaux, tout ce qui est strobo, pardon, c'est les strobo, 4. Et 6 pour le tableau d'affichage à l'arrière, vous voyez, allumé, éteint, assez sympathique, je le trouve assez bien fait. Franchement, il est pas dégueulasse, vous pouvez personnaliser votre plaque, je trouve intéressant. Bon, il fait un bruit de véhicule normal de farming. C'est le seul petit défaut que je dirais, mais bon, je vais me faire critiquer si je dis qu'il y a un défaut sur des modes qui sont pas gris, parce que sinon, voilà, après c'est le bordel. Donc, on est parti sur un VSAV, Tib. Donc, un mode, on va dire, complet pour ceux qui veulent envie de faire du RP. Donc, vous l'avez en deux versions, vous l'avez en version pare-choc blanc ou pare-choc jaune. C'est les mêmes véhicules, sinon. On va éteindre la guirlande, voilà, et je vais vous montrer un peu toutes ces options. Donc quand vous allez sur le côté, enfin sur l'arrière du véhicule, vous pouvez soit sortir le brancard ou bien sûr dire de pouvoir fermer les portes. Aux dernières nouvelles, vous pouvez les fermer, voilà, 8. Voilà, ça ferme les portes. Une porte là de fermée, deuxième porte de fermée. Vous pouvez fermer les volets roulants. Donc un petit véhicule qui est assez sympathique quand même en RP, qui pourrait être apprécié de beaucoup de monde. Hop, X pour les volets. C'est fluide, c'est bien jouable, il est assez joli. Donc vous avez plusieurs éclairages, vous avez l'éclairage intérieur de la cabine, éclairage cellule, voilà, en, derrière. Vous avez l'éclairage extérieur, que vous pouvez couper, et vous avez les feux de protection, c'est normal, à l'arrière, voilà. Vous voyez, les petits feux clignotants. Donc assez complet, assez pas mal. Je vais couper cette guirlande là, parce que c'est le même véhicule. Sauf que vous avez en pare-choc jaune, c'est exactement le même avec toutes ces options. On va passer au suivant. Donc on est en Isère, le Renault Master VTP. Alors pas d'option, un petit de ton pas trop dégueulasse. Un gyrophare où vous n'aurez pas besoin de l'add-on. Alors pour certains véhicules, si vous voyez que les gyrophares restent figés, il faut prendre le light add-on. Avec le light add-on, vous pourrez débloquer cette histoire de bug. Du coup, on est sur un petit Renault FMOG G. Alors, c'est dommage parce qu'il est assez intéressant, mais il est légèrement buggé. Pourquoi changer ? Alors, on va démarrer. Le deux tons est pas mal. Vous avez la possibilité, en appuyant sur le clavier numérique et en appuyant sur 5, de cracher de la flotte. Assez intéressant. Et je crois que c'est toutes les options que j'ai trouvées, il n'y a que ça. Il n'y a que ça et le gyrophare qui doit pouvoir se couper. Voilà. Donc on passe par la suite, toujours un TFS Group. Pardon, on mangeait un peu le nom. Donc vous avez une échelle avec une nacelle au bout. Alors assez intéressant plus ou moins. Un petit bug à l'intérieur, pas mal de petits soucis. La vue de caméra qui est pas très propre, c'est un peu dommage. Mais je pense que c'était une version bêta, j'ai peut-être pas dû récupérer la bonne parce que franchement, l'autre prochain que je vais vous montrer, il est bien plus joli quoi.
Donc vous pouvez bouger l'échelle, vous pouvez déplier. Alors je suis désolé, j'ai pris un coup de hockey là, force de parler. Un bruit normal. Donc 8 pour déplier les stabilisateurs. Et pour le klaxon, bah, vous appuyez sur le klaxon du jeu. Donc on passe au suivant, le Renault BEA. Alors le BEA là-bas, c'est pour l'incendie. Donc si vous voulez bien entendre le deux-ton, bah, le deux-ton en fait, il faut se rapprocher. Si plus vous êtes en caméra éloignée, moins vous allez l'entendre en fait. Enfin, c'est même pas moins vous allez l'entendre, c'est à s'arrêter net. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, on a X pour tout ce qui est gyrophare, on a 4, on a 8, et on a 5 en option, et un contrôle 5 pour les portes, et un contrôle 4 pour fermer les portes. Donc, c'est pas mal. Il est pas mal du tout. Bon, on a une petite option pour aller bon, à l'intérieur, il n'y a pas trop propre. Donc, on peut voir, bien sûr, de loin, bah, que bah, là, je rentre le canon. Et je peux couper carrément l'eau, quoi. Vous voyez? Tac. Voilà, c'est fait. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez surtout une vue sur le dessus qui est pas mal. Faire des petits RP, voilà. De faire un sauvetage, un chat dans un arbre, je sais pas. À vous d'imaginer ce que vous voulez. Donc pour la suite, ça sera un petit camion. Donc on a une petite citerne, j'ai pas regardé la capacité en litres de la citerne, j'ai zappé un peu, on va aller voir ça tout de suite. Alors capacité, ça nous marque pas, si 54 000 litres, donc c'est pas mal, c'est assez intéressant. Et on a un petit camion qui va à l'avant. Petit camion qui est pas dégueulasse, qui manquerait, comment dire, un peu de stabilité. Je trouve... l'impression d'être sur mode runner et dire voilà. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est que le bruit de la marche arrière est plus fort que le klaxon. Mais sinon, ça le fait pas trop mal. Franchement, il est beau en bruit. La caméra est inversée à l'intérieur. Il y a pas mal de. Voilà, il y a eu pas mal de travail à l'intérieur niveau design. Il est pas dégueulasse. Bon, il est pas très très beau, mais il est pas dégueulasse non plus. Mais bon, ça reste des modes pompiers à la base, on est sur un jeu d'agricole, ça devrait rester agricole. Mais bon, vous vouliez des pompiers, je vous ai fait des pompiers. Donc voilà, c'est fait. Donc on va passer bien sûr au dernier petit mode. Comme vous savez, c'est l'hélicoptère de sapeur-pompier pour ce dernier mode que je vous présenterai. Un hélicoptère que j'ai déjà présenté dans la vidéo d'avant, c'était juste un reskin, hein. C'est exactement le même. Vous avez le petit pompier que vous pouvez sortir en appuyant sur X, si je me souviens bien. Non, c'est pas X, c'est en cliquant sur 9, voilà. X, vous pourrez rentrer toutes les portes et tout ça, vous pourrez fermer un peu tout. Hop, L, N, K, L, J, H, voilà, ferme les portes. J'oublie encore une porte. B, voilà. Et c'est parti, on peut décoller. Donc voilà, ouais, les amis, si bien sûr les modes vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à les partager pour tous ceux qui chercheraient les modes pompiers, parce que je fais vraiment des modes comme ça, des présentations de modes comme ça, c'est vraiment pour dire que ça soit partagé un maximum et qu'il y ait le maximum de personnes qui s'y cherchent des modes pompiers pour un RP, des youtubeurs, des collègues, enfin voilà quoi. Si vous cherchez, vous trouverez. Alors je suis encore désolé pour mon écho. Bon, on est mon écho. Je suis encore désolé pour mon hockey. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les schizophas. Ciao, bonsoir.